un ensemble de parlementaires, la majorité des députés, parce que au plus, qui t'ai fait prendre l'ONA pour acheter machine. Et nous dit déjà, population, soi-disant, bah, un mandat, il y aurait un mandat déjà, mais l'ONA est l'argent, malheureusement, pas l'argent pour me faire mon pays riche. Et il y a un pile qui gagne de grands retards sous payer l'argent, ça. Mais deuxièmement, au-delà du retard, c'est comme si c'est un mandat, eux, ils deviennent prendre, ils deviennent faire peur. Seule garantie, ils deviennent ce mandat. Comme mandat, pas éternel, a fini. Faut à fond, gens là, avant ce maintenant fini pour chercher l'argent, parce que pendant qu'on parle de payer l'ONA, pendant que pension de l'ONA pas qu'à toucher, pendant que pension de l'ONA a touché moins que 1000 gouttes par mois, mais eux-mêmes, tout à fait à fait, ils ont un cas ici, ils ont un cas de tous côtés, et petit, tu vas problème à l'école, ensemble de problèmes. Donc, nous lançons un appel, ce n'est pas que nous avons un problème pour nous faire prêt, mais normal que prêt, mais que vous payez. Parce que ça a été comme principale garantie, ça a été longé prêt à bailler, parce que vous êtes dans un système, vous n'avez pas ce que vous demandez, vous demandez à finir. Et que vous prenez disposition pour rembourser l'ONA, toute l'agence, parce que l'agence a pas fait pour ça. Et d'une manière générale, nous voulons rappeler ça, ils sont véritables désordres. Le ouvrier, moun que qu'est-ce ça destiné à eux même pas qu'à une corbe moun a besoin pour acheter machine moun a besoin pour faire chez et puis moun ça a des moyens pour être prendre prêt dans l'autre banque parce que pour qui ça doit insister sur ça c'est parce que banque ça ou banque privée ça ou tu y a l'argent l'on a en main à 3% 0,25% le mois 3% là et même m'a prend l'argent si malheureux après des petits malheureux comment le programme bio comment le yo bah va citer dans l'institution mais comment et si microcrédit qui a financé malgré mes accords l'on a très souvent parce que l'argent l'on a en main en topi il y a même il y a pas beaucoup de fonds dans la rue à 15% des fois 30% non ça sont véritables injustices liées fort li fini que c'est gros partout qui a pris l'argent dans l'on a depuis tout temps que c'est gros institutions financières qui est un gros économiste dans le pays, a tout conseillé, a fait tout ça, nous a pris l'argent l'ONA, parce qu'il dit bon, non seulement tu as bas, ou il doit faire plusieurs mois pour payer, si c'est tel monde qui recommande, il n'y a pas besoin. Et même il y a des gens qui joignent dans l'ONA, ils ont effacé, prêt pour nous. Et ça, c'est nécessaire, cette bataille, c'est nécessaire, parce que nous parlons, nous comptons l'injustice. Ça seulement, au niveau de l'ONA, c'est l'ONA, oui, que nous avons fait payer. Pas besoin de pour toute corruption qui est dans le pays. Là, pour exemple, l'on prend 770 millions de dollars, une goutte ou prêter, les gens qui ont l'argent déjà. L'on prend seul, M. Boulos, qui est près de 4 prêts dans l'ONA, presque 29 millions de dollars américains. Vous voyez combien de malheureux vous combien de jeunes garçons qui ont fait prêt pour 200 300 000 gouttes, 500 000 gouttes, qui n'ont pas besoin de Brésil, qui n'ont pas besoin de Chili, qui n'ont pas besoin de prendre 1 milliard de République dominicaine. Nous voyons combien de monde n'a fait quitter le pays. On nous a dit que l'ONA a respecté la loi. Parce que pour l'ONA, pas un problème texte de loi. Ça m'a adapté de tout. Mais c'est un système qui est bien fait pour capable permettre pays à gagner une classe moyenne, pour capable permettre ouvriers, leur fin de travail, yo gen kay, yo gen conditions décentes pour passer vieillesse. En tant qu'il a respecté ça, ou à combien de monde dans la diaspora qui est dans le système ça? Il connaît que si il mettait comme pour former l'ONA, au lieu d'actuer tête qui a travaillé comme ça pour avoir un corps chaque mois pour caille, eh bien, il t'a permis de faire un prêt hypothécaire dans l'ONA. Lui-même, il t'a travaillé, mettez sous Bill Ligue et l'autre bord, t'as le vent, un petit bagage. Et même diaspora, lui-même, qui besoin de venir dans le pays, mais t'as souvent pas un caille, il t'a souhaité gagner. Mais à travers l'ONA, il t'a bien caille. Il dit que l'ONA capable, véritable moteur pays en termes de développement, c'est-à-dire socialement, et dire. Il est capable d'améliorer les conditions du monde socialement. Mais si nous avons fait, j'en ai fait là, et son qu'est-ce qui va le raser, parce que c'est le monde qui reprend ses amis, et ça n'a pas de là, il valable pas seulement pour Kounia depuis tout le temps. Et je me souviens, l'homme qui est dans l'ONU en 2006, nous avons parlé de. Il y a un ensemble de près de 20 milliards de gouttes en 2006 et 2010 que l'ONU n'a pas arrêté de faire. Et nous avons
Ouais, il y a des dossiers anciens dans l'ONA. Lorsque vous regardez les nègres, c'est parce que votre chef est venu vous saluer, vous tapez votre tour, vous êtes prêt. C'est toute pratique ça, l'a accumulé sur 200 ans, l'a accumulé sur 50 ans, qui met tout dans cette situation ça. Puis, l'autre message, c'est que la voie du dialogue, dans tout dossier que les cabinets et que l'État engagé, cabinet Févry, cabinet et canton, cabinet Fézin, cabinet Panou, tout dossier que nous engagé pour le gouvernement, première voie, c'est la voie du dialogue. Et nous comptons, nous tentons que des gens qui commencent à le payer l'ensemble des institutions que l'EDH et on a lui-même, c'est très bien et pour les caisses de l'État, mais tout, il faut que les citoyens aient été vigilants. Donc, première démarche là, c'est le dialogue. Et ce dossier, nous avons parlé là, et l'autre encore, nous avons envisagé pour nous porter d'autres éléments au niveau du parquet de Port-au-Prince. Et pour ses prêts, et nous avons dit d'autres. Et nous avons dit déjà dans la rue. Et, mais nous crois que c'est une minorité qui a dit que persécution. Bon, oui, il y a persécution. L'on en prend toute la dans la question là, pour lui faire peur. Ces populations sont persécutées. Son persécution permanente. Et la corruption elle-même, c'est la plus, c'est pire forme de persécution. Et puis, l'un n'est qu'après l'argent, battons nous dans le pouvoir, mais dans l'opposition. 150 000 dollars, ou bien 100 000 dollars avant même de se étudier au revenu. Ça lui-même, c'est infraction de bien. Ou t'es utilisé influence ou parce que député ou sénateur ou permettre des gens de venir prêt ou bien qu'ils tout prêt. Mais ce sont des actes de corruption. Mais alors que y a des gens qui t'a dit tromper une bonne fois, et je veux peut-être rendre au service, je ne suis pas au courant de ensemble d'éléments, et puis on est prêt, mais c'est normal. Seulement ça que l'on a tout fait dans la casa, c'est si. Toi qui es trop bas, mettez le pivot, mettez le dans ça, la loi dit. Mais, on a remarqué que la majorité de prêts à parler, là, c'est des prêts qui sont faits à un taux de 3% maximum, bien plus bas que 3%. Maintenant, l'autre exemple que nous avons pris qui fait un pile taux de l'actualité, c'est nous prenons aussi des doutes de garder. Nous avons le prêt triplé, nous avons le prêt syndiqué, nous avons trois. Institutions, on dirait deux institutions à tout le monde. Il gagne Delimart, il gagne Extra Market et il gagne la dame Immaculée Carmen Pantage. Là, nous mettons les populations au courant de quelques prêts douteux parmi eux-mêmes. Ça, il y a des gens qui disent nous que. La dame, c'est la mère du sénateur de la Tortue. Donc, on remarque que c'est Madame Carmen qui participait dans tout le processus prêt. Ce n'est pas même prêt qui est important pour nous. On dit que comment prêt ça fait arriver là. Ça fait une petite prêt douteux. La première chose, c'était objectif programme. Ce programme, il est ONA Mart, ONA Pharma. C'est-à-dire que pour la dame, il faut gagner market, il faut une pharmacie. Par exemple, quand on prend mon extra pharma, quand on prend mon délimatio, il y a des marques, il y a des marques, il y a des pharmacies là-dedans. Mais, nous gardons, nous, Madame Carmen, Immaculée Cantave, c'est construire, vous allez construire un supermarché des Gonaïves. Il peut pas gagner, il pas gagner jusqu'à présent. C'est le premier moment. Deuxième moment que nous faisons dans le contrat, ça, on va pouvoir prendre prêt d'une manière globale. C'est que, il a dit, c'est pour permettre employés l'ONA de joindre des avantages, d'acheter des produits alimentaires, d'acheter des médicaments. Il y a un réseau de marques avec pharmacie qui est pour agrandir, mais ça, il va pas même couvrir 20% dans le pays. Ça, il dit, il y a un marque et pharmacie, il y a rien. Et l'autre bagaille qui est fondamentale, c'est que, un programme comme ça, ça veut faire objet. Donc, gros publicité pour que l'employé, on a qu'on est assuré, on a qu'on est pensionné, on a qu'on est. Et tu as très bon, par exemple, pour des gens qui grand monde dans l'ONA, qui fait sucre, qui fait attention, qui gagne, ils ont une pension qui pas même 1000 gouttes. Bon, si je ne suis pas capable de vendre des médicaments à bon marché, je suis très bien. Mais ils n'ont pas même au courant de ça. Donc, il y a une absence de transparence totale
autour de ce soi-disant programme. Je dis bon, ça, c'est un autre élément de suspicion. L'autre élément que nous avons découvert, et nous maintenons ça, nous disons, c'est que si le programme n'est pas fait, le fait c'est pour pharmacie à market, on nous prend l'argent, on va acheter des œufs, on va produire des œufs, ça va être détournement. Mais dans quel cas, nous, l'on apprend que c'est maman sénateur Yuri, nous dit bon, ça, il y a des présomptions de trafic d'influence, capable de gagner détournement. Mais l'entend des sénateurs a parlé, pour me profiter de remercier parce qu'il a permis l'enquête de avancer. Et il y a nous des éléments qui montrent effectivement que pour ça, et que faut effectivement la justice enquêter sur ça. Il faut pas que a commencé par les sénateurs. Moi, je pense que d'après les latitudes de témoins, mais cette fois-ci, il faut aller directement. Malheureusement, il faut aller maman. Malheureusement, il faut aller tout le monde qui était impliqué dans le prêt, dans l'ONA, dans le notaire et autres pour venir une explication. J'ai bien dit. Pour venir une explication. Faut administration l'ONA et venir expliquer l'opération ça et la déclaration, la récente déclaration du sénateur, ils ont renforcé les sanglés, les détournements à Paléa, ils ont renforcé les corruptions et l'injustice sociale que n'a pas parlé en d'abord. Ma bonne exemple. Sénateur, la tortue dit que depuis le 25 avril, il a été écrit pour Préa. Donc, maman, pas pour l'argent. C'est très bien. Maintenant, je vais préciser pour les amis téléspectateurs et auditeurs guinéens que le 17 avril, l'ONA a fait un premier versement sous compte notaire séant pour 3 mounzales. On a parlé de Delimante, on a parlé de l'extra market et puis on a parlé de Madame Carmen Cantal. Et notaire a écrit, il dit, pas de problème, papier, titre de propriété, le lendemain le 18, titre de propriété Madame Carmen Yoyo a venu incessamment parce que le notaire Gonaïve l'a voué. Environ 9 jours plus tard, soit le 26 avril, l'on a fait dernier décaissement de 370 millions de gouttes. Il faut prouver le décaissement de 400 millions de gouttes. Ils font un deuxième de 370 millions de gouttes. Donc, je ne comprends pas comment fait que gagner une correspondance carrée 25 pour décaissement fait 26. Mais ça fait me donner son message. Mais mon mise en garde, à mon qui n'a pas de vie, on a eu. Pour moi, même tout document, sénateur a dit que il faut la explication sur lui, il réputé faux. Il faut la explication. D'ailleurs, pas qu'à mon dossier que l'on a, bon, moi. Et puis, je parle de lettre au sénateur à parler. Donc, lettre c'est pour lui, il n'y a pas de dossier. Et puis, au-delà de ça, Madame Cantave t'a donné une pension dans l'âge pension qui ça l'a fait dans une opération comme ça. Il n'est pas même au courant. C'est non le utiliser. C'est ça où il y a abus de faiblesse, abus d'ignorance. On m'a dit que ça n'a pas ou pas une équipe. Si il était toute lucidité. Et l'autre bagaille encore qui est important. C'est que nous, par exemple, poser cette question, combien près maman y a payé, combien quoi? Sénateur a dit lui-même, maman n'a pas pris un cobla, mais lui-même là, le fond prêt pour question de pour 70 millions de gouttes. Eh bien, pour prêt, ça a parlé à 770 millions de gouttes là, gagné 480 millions de gouttes pour Delimart, 220 millions de gouttes pour Extra Market et 70 millions de gouttes pour Maman Yuri Laroche. D'accord. Si vous comprenez, non? Mais c'est la vie de la femme de notre déclaration. Après, combien de coûts pour Maman Yuri Laroche? C'est 70 millions de gouttes que Yuri te dit après, puis elle fait
supermarché des Gonaïves. Maintenant, ça, vous comprenez. Et c'est là, la justice pour aller travailler pour le faire. Et c'est vraiment premier prêt douteux. Par exemple, je n'ai pas trop de problème avec ces marquettes. Après ça, pas trop de problème avec les limites. Il y a des marquettes, il y a des pharmacies, il y a des conditions pour déterminer que la justice cherche. Mais maintenant, non seulement nous ne savons pas trop de conditions, c'est que c'est utiliser des manœuvres frauduleuses. Il y a un point de problème, comme si nous avons utilisé nos mamans pour dire malheureuse là, dans l'âge, j'ai utilisé nos mamans. Et puis, quoi la fini. Et qui sait, il y a lui qui prend son nom. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons d'autres éléments. Au fur et à mesure, d'après nous, l'ambassadeur à toi, je vais vous parler, pour nous plus d'éléments encore, pour nous porter. Mais ça, pour la population, on comprend, c'est que, près, maman Yuria, madame Cantal, 70 millions de gouttes par Yuria, sénateur Yuria, 70 millions de gouttes. Elle n'a pas un de montant pour elle. Donc, c'est-à-dire que c'est des manœuvres que vous utilisez pour être capable de joindre un prêt dans tout ça, dans les conditions et puis pour avec rapidité. L'argent DTC, dans la même année 2017, là, le sénateur a monté le dossier pour le projet de même 70 millions de gouttes. Donc, dans pile explication pour bail, sous ça, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de que le parquet Port-au-Prince, qui est aussi en amène, et à partir de communication que nous avons fait avec elle, pour être capable de porter et, ou encore relayer des gens pour une explication en dans l'ONA, en dans des images, en dans l'Excel Market, et comme Mme Cantapote, pour faire supermarché par là, pour relayer le sénateur. Il faut que ça clarifie. Parce que, par contre, par magie, et premièrement 70 millions de gouttes, par sénateur 70 millions de gouttes. Donc, gratification, ça fait donc au total 770 millions de gouttes qui divisé par 3, mais chaque monde prend selon besoin. Mais c'est 70 millions de gouttes de la terre en dernier, et puis sénateur vient prendre pour question de jeu. Effectivement, c'est pas maman qui prend, mais c'est nos mamans qui utilisent. Pour l'argent calme. Mais non, l'idée, ce n'est pas en question de ne pas faire prêt. Nous dit que c'est même irrégularité compréhensible. Mais là, il y a de fortes présomptions de manœuvres frauduleuses, il y a de fortes présomptions d'actes de corruption pour que tu es capable de vous présenter. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure d'injustice sociale. Entendez?